Wat deze cd betreft, zijn we eerst met Mendelssohn gestart. Dat kwam eigenlijk door een kindervoorstelling, Fanny en Felix, die we gemaakt hebben rond de zus en de broer Fanny en Felix Mendelssohn. En daar zijn we dus bij dat opus 80 terechtgekomen. Daarnaast zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar een link met de familie Mendelssohn. En dan zijn we uitgekomen bij Schumann, die toch wel een hele innige band ook had met Felix. De kwartetten van Schumann zijn dan ook opgedragen aan Mendelssohn. C'est des pièces qui sont en fait relativement émotionnelles, surtout le Mendelssohn qu'il a écrit finalement suite au décès de sa sœur Fanny. Il hurle de douleur dans ce quatuor, donc c'est assez émouvant comme pièce, ça agrippe l'auditeur vraiment. Schumann, on est dans quelque chose de complètement différent, mais il y a le côté musique souple et libre, un peu, oui, qui est typiquement schumannesque, je dirais. Et c'est aussi très émotionnel, c'est différent, mais voilà, on trouvait que les deux atmosphères convenaient bien. Voor ons is het zelf ook heel leuk om nieuwe muziek te ontdekken en we proberen dat zeker ook over te brengen naar het publiek. We vinden het ook heel belangrijk eigenlijk om de Belgische componisten toch een beetje in de spotlight te zetten. En vandaar eigenlijk ook onze keuze om een Belgische Waalse componist, in dit geval Patrick Leterme, aan te spreken voor deze nieuwe creatie voor ons te schrijven. Gilles, on le connaît depuis des années et son rôle est hyper important, notamment le travail qu'on fait en enregistrement, en termes d'efficacité aussi, d'aller relativement vite pour dire voilà, il faut reprendre là ou il faut reprendre là, allonger une phrase là, attention à la justesse ici. Et beaucoup plus soutenu. Ik denk dat we misschien voor 90% vastleggen de manier waarop we de stukken willen spelen. Natuurlijk, tijdens een opname verleg je je grenzen toch altijd een beetje. En dan komt er soms nog iets extra tevoorschijn. On a besoin d'être à 200% lors d'un enregistrement. On ne peut pas se permettre de jouer comme si on était un peu chez nous, tranquillement, en répétition. C'est vraiment pas la même énergie et c'est pas non plus la même énergie que quand on joue en concert. On a les studios, les micros enregistrent d'une manière différente qu'évidemment quand le public peut entendre en live. Et donc il faut donner encore plus. C'est jamais fini. Le travail n'est jamais fini. Le disque sera là. Évidemment, c'est des pièces qu'on va encore jouer dans les concerts de release, mais dans des années, sans doute qu'on les rejouera, qu'on les retravaillera, qu'on découvrira d'autres choses. Et c'est ça qui rend la chose justement très, très chouette, très attrayante. Le CD est aussi un moment d'opname. Op dit moment spelen we dit zo. En dan kan binnen 5 jaar anders zijn, natuurlijk.